c'est Sabaw Dalubaki. À partir du 4 janvier, c'est toi qui deviendras le chef de ce pays. Moi, je ne crains pas les politiciens de ce monde, je crains le monde invisible. Je vais donc le faire, et je peux promettre au peuple congolais dans 5 ans. Que le 4 de ce mois, le Seigneur Sabaot est venu me donner une mission de mettre fin à la misère du peuple congolais. Je le ferai. Moi, je ne crains pas les politiciens de ce monde, je crains le monde invisible. Je vais donc le faire et je peux promettre au peuple congolais dans 5 ans, il deviendra le peuple le plus envié. 4 janvier, c'est toi qui deviendras le chef de ce pays. Ce pays est béni de Dieu. Nous n'allons plus tolérer. Papa nous convie dans le monde entier. Il a zazo, nous et il vous c'est c'est tout. Mais puisque vous m'avez demandé en lingala, je vais parler en lingala. Le 4 la semaine passée, Seigneur Sabaot a écouté l'angai. Qui est le Seigneur Sabaot? C'est le commandant en chef de l'armée céleste. Ayaki, Atunaki à Mwandansemi, pendant 60 années, le courant invocateur Mbogoyo, Kakamawa, Namawaya peuple, pourtant, to pesa binonyoso, diamant, coltan, or, bilogonyoso, bah, arabe, ou pas, pétrole, bah, ça mieux que binon. Pour la nuit, wana Mwandansemi, on a répondu que Seigneur, la classe politique est médiocre. Seigneur Sabaot Dalubaki, à partir du 4 janvier, c'est toi qui deviendras le chef de ce pays. Ce pays est béni de Dieu. Nous n'allons plus tolérer que les politiciens terre à terre dirigent ce pays. Donc, Baninga Nangaï, pas congolais, vous regardez à venir avec espoir. Nazali Koyeb Sabino. Que dans 5 ans, Papa nous convie dans le monde entier. Vous deviendrez le peuple le plus envié du monde entier. C'est tout.